coucou les copains. Bon alors, d'habitude je vous parle pas trop de mes rencontres abonnés, parce que j'en ai quand même, même si je vous dis rien, il y a des abonnés qui viennent me rencontrer. On fait ça discrètement, on n'a pas besoin de partager forcément tout ce qu'on fait dans notre vie. Mais j'ai envie de vous parler un peu de cette rencontre abonnée qui va arriver dans quelques minutes, parce qu'en fait c'est une surprise. Donc Eddie ne sait pas du tout qu'il va me voir, parce qu'en fait c'est sa femme qui m'a contacté il y a 6 mois à peu près. Donc elle m'a envoyé un mail sur ma boîte mail perso, et du coup ou sur Facebook, je sais plus, ou Messenger. Bon, enfin du coup on a communiqué par mail. Ensuite, de là, je lui ai donné mon numéro de téléphone, donc on a eu une conversation téléphonique. Et puis après, ben, on s'envoyait des messages, etc. Du coup, ça fait à peu près 6 mois qu'on est en contact et qu'on prépare en fait cette rencontre. Alors, ça tombe juste, parce que ben, du coup, je ne devais pas travailler ce week-end, donc ça tombait nickel. Et bon, du coup, je travaille demain. Voilà, j'aurais pu travailler aujourd'hui. J'ai pas travaillé, donc coup de chance on va dire. Donc voilà, il y a Eddie qui arrive dans quelques minutes. Il sait pas du tout que je vais être là, parce que pour lui je suis au travail, je suis en plein milieu des vignes, il fait chaud. En fait je lui ai envoyé un message sur YouTube il y a genre 25 minutes, parce qu'il m'a envoyé un message en me disant qu'il venait aujourd'hui. En fait il y a 2 jours il m'a envoyé un message en me disant ouais, putain, je vais aller au lac du Salagou, machin, je sais que tu es dans le secteur, j'aimerais bien te rencontrer et tout. Donc moi j'ai continué à jouer le jeu en lui disant que bah j'étais pas disponible, que c'était compliqué, que je travaillais toute la semaine et que le week-end je risquais de travailler aussi. Et du coup là il m'a renvoyé un message aujourd'hui en me disant bah, que du coup il allait au lac du Salagou aujourd'hui, qu'il comptait y passer la journée, et que voilà, il espérait que je travaille pas. Donc j'ai continué en lui disant que ben non, j'étais au travail et que j'étais super désolé de ne pas pouvoir le rencontrer, que j'espérais le rencontrer plus tard, machin. En fait, voilà, il va arriver dans quelques minutes normalement. Et du coup, ça va être surprise. Donc voilà, une grande organisation avec sa femme. En plus de tout ce que je peux faire dans ma vie, vous voyez, j'organise encore des rencontres abonnées, du boulot, des recherches d'emploi et des papiers, et des balades, et de la vidéo, et etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, même si on ne vous montre pas tout, il y a énormément de choses, on fait énormément de choses dans notre vie. Et voilà, j'espère que Eddie va apprécier. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup cette organisation et cette rencontre, qui va être sympa, puisque Eddie, c'est un abonné actif sur la chaîne. Donc, il est là depuis un certain temps, je ne sais pas exactement. D'ailleurs, on va pouvoir en discuter. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont envie de te rencontrer, qui ont envie de partager, qui ont envie de voir plein de choses. Et d'en savoir un peu plus sur moi, sur mon histoire. Donc voilà. On attend Eddie, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, Eddie, j'espère que tu auras apprécié. Et à bientôt. Voilà. Salut, ciao, ciao. Et coucou les copains. On est samedi soir, il est 22h16. Et oui, je vais me coucher demain matin, 6h25, dans la vigne. On va essayer de travailler un petit peu, de gagner un petit peu des heures de travail. C'est un peu compliqué ces derniers jours. Et puis, ben, continuer d'avancer. Aujourd'hui, on a eu une super rencontre avec Eddie et sa femme Sandrine. Des gens super sympas. Vraiment, des belles discussions. On a bu 2-3 coups tranquilles au niveau de la guinguette du lac du Salagou. C'était super top. Malheureusement, il a fallu que je parte tôt parce que bah, du coup, voilà, je travaille demain dimanche. Mais on a quand même réussi à se rencontrer avec Eddie. Et du coup, bah, comme je vous ai expliqué, voilà, ça fait 6 mois qu'on organise ça avec sa femme. Et en fait, on a enfin trouvé, enfin, après réflexion et après discussion avec Sandrine, je me rappelle maintenant comment Sandrine m'a contacté. Et du coup, en fait, elle est passée par mon éditeur pour avoir mon mail et ne pas passer par YouTube, parce que sinon, son mari aurait capté qu'elle était là.
Donc ça a été très intelligent de sa part et on a réussi à mettre tout ça en place et c'était super cool. Donc voilà, une belle après-midi, un beau moment passé. Ils ont ramené un super jouet pour chips, un petit hamburger qui fait pouic-pouic. Moi j'ai eu le droit à un pack de bière et des espèces de chips quoi pour l'apéro. Il y a eu aussi des bonbons pour chips. Donc merci encore Eddie et Sandrine, c'était super sympa. Au plaisir de se recroiser dans votre région. Si j'ai l'occasion de passer, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, les copains, je vous souhaite une excellente nuit. Moi, je file au dodo. On vient de manger des pastas avec les Italiens et l'Espagnol et notre amie polonaise qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Nickel. Al dente. Parfait. J'ai bien mangé. J'ai le ventre bien plein. Je suis fatigué, demain matin, 6h25, dans la vigne, on attaque, on fait une grosse journée et on continue, comme d'hab. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, n'oubliez pas, pour vivre sur la route, il faut travailler. Des bisous! Natalia, Natalia! Oh, comme ça! Yo, tío, es que yo hago, hago, hago y ya, ¿sabes? En plan de que me hace la cebada. Ça va, Gaël? Ça va, impeccable. Je sais pas encore. Je réfléchis. Quand on partira de l'autre côté, on sera plus frais, comme ça j'ai perdu moins de temps. Ouais, là ils sont pas super mûrs en bas, mais tant pis de toute façon. Wow, derrière. Mais tu vois, s'il y a le chien là, le ravali il est déjà là-bas. Ah ouais, il y a toujours 50 mètres. Je vais apprendre à bouffer mon raisin, ce bâtard. Toujours quand ils courent, les zombies, ils courent, ils s'arrêtent, ils écoutent. Ils courent, ils s'arrêtent, ils écoutent. Et ceux qui chargent, ils attendent. Parce que quand ils courent, c'est difficile. Ouais. Donc ils attendent, ils s'arrêtent, ils pensent. Tout le temps. Hey, coucou les copains. Et ben voilà. On est dimanche, il est 15h approximativement. On a fini la journée de vendange. Du coup maintenant c'est parti pour une petite rando avec Chips qui est devant là-bas. Il court déjà. Il n'attend pas son papa. Il m'a attendu pendant 8 heures le gros chien. Il était sage le gros chien. Là maintenant il dit allez papa viens on va se promener. On va courir papa. Viens on va par là gros. Viens par là, viens. Voilà, vas-y, par là. Voilà, il est content. Donc, il y a toujours les ânes. Bonjour, Nanane. Bonjour, Nanane. Vous voyez, il vient dire bonjour tous les jours, celui-là. Là. Viens dire bonjour, viens. Là, Nanane, viens. Là. Tu vas pas dire bonjour aujourd'hui, tu fais la gueule? Bah, fais pas la gueule. Fais pas la gueule. Allez, viens. Viens. Viens me dire bonjour, viens. Viens me dire bonjour, viens. Viens. Viens prendre ta gratouille, viens. Oui. Oh, et là, avance encore un petit peu, parce que je vais prendre le jus, là. Non, tu veux pas aujourd'hui? Fais la tronche. Fais pas la tronche. Fais la tronche. Allez, viens. Viens. Non. Bon, fais la tronche aujourd'hui, Nanane. T'as vu mon bébé? Fais la tronche, Nanane. Sur le fil, non, pas le fil. Oh, il aime pas les chiens, le nanane. Regardez-le, il suit. Il suit, il dit, oh là, je vais le charger, celui-là. Et il y a les petits qui sont là. Et lui, il nous suit. Ah. Il est là, il nous suit. Il va faire un câlin. Il va dire bonjour. Il va dire bonjour à YouTube. Non? Tu veux pas? Oh, ah. Ouais.
pote. Il est farouche. Voilà les punts. Ça va être con. Dis bonjour toi. Bonjour. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Oh, il est gratouille, ça fait du bien, il est gratouille. Et là, je parle pas beaucoup de monde, alors, vous voyez, hein, du coup, je passe ma vie à parler aux animaux. Sage avec les animaux, avec les ânes. Il est sage avec les ânes, il est sage avec les chats, avec tout le monde. Viens toi. Oh là 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 là. Wow. Oh, t'as les oreilles sales. Hein. Oh, t'es plein de gratouilles, plein de merde dans l'oreille. Bon, allez, on y va parce qu'il y a le gros chien qui m'attend. Ah, ça y est, regardez-moi ça. J'ai les doigts tout dégueulasses. Enfin, c'est pas bien grand, on ira prendre une douche après. Alors, le petit chien, il se promène. Moi aussi, ça fait du bien. Ouh. Ce matin, on a fait une, deux, trois parcelles. Trois petites parcelles. On a fait trois parcelles. Donc, c'était pas mal. On a fait une journée de 8 heures. Par contre, il n'y a rien, quoi. Y a rien à vendanger, mais bébés elles sont minuscules, donc beaucoup de grains, beaucoup de peau, très très peu de jus. Ça va être compliqué ces vendanges là cette année. C'est et là j'étais avec avec une amie Facebook là, on était en train de discuter justement de ça. Elle est à l'autre bout de la France, et ben elle c'est pareil quoi. Elle me dit, je sais pas comment je vais faire pour arriver à gagner ma vie avec ces vendanges cette année, donc. Compliqué. Donc là je suis en pourparler avec mon patron pour décaler des heures que je devrais faire au mois de septembre et les décaler au mois d'août, parce que sinon Pôle emploi va me payer. Donc j'espère qu'il va accepter de faire un truc comme ça, sinon Pôle emploi va me payer et ça va être compliqué. Et du coup après je me retrouve bloqué parce que du coup j'ai plus ma sécurité de Pôle emploi. Si j'ai plus de boulot, que j'arrive pas à trouver un contrat, etc. Il faut que je puisse renclencher sur du Pôle emploi parce qu'en fait j'ai pas de droit au RSA. Donc il faudrait que je refasse une demande pour avoir des droits au RSA. Sauf qu'en fait il faut que j'arrive en fin de contrat. Et que je vais avoir un trou d'un mois quoi. Ça veut dire que je risque de me retrouver pendant un mois sans aucune finance qui vont rentrer quoi. Donc du coup faut gérer un magouillé parce que parce qu'on n'a pas de statut, parce que on a les patrons, ils ont des assurances, hein, mais les saisonniers on n'a rien quoi. On a nos yeux pour pleurer. Donc il faut magouiller, pas le choix. Donc on va voir, normalement c'est pas très légal. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment le choix? Non, je crois pas. Donc là on va voir si le patron il dit oui, s'il dit non. S'il dit non, c'est normal, hein. C'est pas très légal. Mais en même temps, c'est un contrat déclaré, hein. C'est juste que je décale des heures. Au lieu de les avoir fait ce mois-ci, je les ferai le mois prochain. On n'a pas trop le choix, hein, sinon on est bloqué quoi. Voilà. Allez, sur ce, ne vous embête pas plus, moi je continue ma balade avec Chips qui est parti déjà loin devant. Je réponds à tous mes mails et tous mes messages Facebook, Messenger, Instagram
et tout le beans. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, des bisous, prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les copains. Bon, je vous ai dit que cette saison était compliquée. Eh bien, elle est encore plus compliquée qu'avant. Je suis arrivé pour faire les vendanges le 15. J'ai embauché le 16. On a fait une journée de vendanges. Ensuite, il y a eu la pluie. Et puis, plus rien jusqu'à dimanche. Donc, en fin de compte, en 10 jours, je travaillais 2 jours. Donc, 14h30. J'ai fait mes calculs, voilà, j'ai perdu plus d'argent qu'autre chose, donc en fait c'était pas rentable. J'ai essayé de négocier avec le patron pour décaler des heures, mais c'était compliqué parce qu'on sait pas où on va et que c'est pas très légal, machin. Donc ce matin, bah, j'ai quitté le domaine où est-ce que j'étais. Ça me fait bien chier parce que ben du coup voilà, c'est des patrons qui me font travailler depuis 3 ans et ben il y a une bonne ambiance, ils mettent tout à disposition pour les saisonniers. Mais voilà, c'est pas rentable et du coup ben je me retrouve sans emploi. Je me retrouve ce mois-ci, donc le mois d'août, je vais être payé par Pôle emploi, ce que j'avais pas prévu. J'avais prévu d'être payé par rapport à du travail. Et là, en fait, il faut que je touche à mes droits Pôle emploi. Donc, il me reste 45 jours. Donc là, ils vont m'en payer 30. Il va m'en rester 15. Donc, voilà. Et que 15 jours, en fin de compte, voilà, j'ai pas encore assez d'heures de travail pour renclencher sur du Pôle emploi. Du coup, bah là, je suis en recherche d'un nouveau contrat. Il faut que je fasse un contrat de minimum 1 mois. Donc, il faudrait que je trouve un contrat de 1 mois à 2 mois. Donc, je suis en train de chercher des pommes. J'ai regardé pour des vendanges, mais cette année, c'est trop compliqué, en fait, les vendanges. Je vais travailler à perte où que j'aille. Parce qu'il faut que j'arrive à trouver 1 mois complet si je veux arriver à rentrer dans mes comptes et à ne pas être bloqué. Avoir toujours une sécurité de Pôle emploi, en fait. Et surtout, si je garde mes 15 jours, ça me permet d'être recalculé sur mes anciens droits. Enfin, donc, d'être prolongé sur mes anciens droits. Alors que si j'arrive à zéro, ça va être un nouveau calcul. Et du coup, là, je devrais prendre les 20% dans la gueule. Donc, ça va encore, être pas cool. Sachant que bah, on n'a pas fait les mêmes heures qu'on a pu faire l'année dernière, que bah, les impôts m'ont ponctionné 3 mois d'affilée. Plus les 20%, plus, ben voilà. Et je perds plus d'argent que j'en aurais gagné en fin de compte cette saison. C'est ultra compliqué là, c'est fatigué là. Franchement, j'en ai assez. J'en ai marre quoi. Je sais pas trop comment m'en sortir. Les autres années, d'habitude, on arrive à bosser, on arrive à avoir un peu de temps de pause, avoir un peu de liberté. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. La vie, elle est super méga chère. Là, c'est plus possible, quoi. J'ai mis un peu de gasoil tout à l'heure, mais laisse tomber, quoi. Tu fais les courses, laisse tomber. Tu travailles, tu arrives à peine à rembourser tes frais, quoi. Parce que tu fais pas des mois pleins, parce que du coup, c'est des petites entreprises. On sait plus quoi. On sait vraiment plus quoi faire. Je pense que le monde des saisons et la vie sur la route est vraiment de plus en plus compliqué de jour en jour. Donc je sais pas. Je sais pas comment on va s'en sortir. Je sais pas ce qu'on va faire. Là, je vais essayer de prendre 2-3 jours de pause pour réfléchir un petit peu et trouver des solutions les plus adaptées à ma situation. Retrouver un emploi, un contrat correct. Ça veut dire qu'il va falloir que j'investisse encore dans des frais kilométriques de gasoil. De façon à pouvoir me déplacer et aller faire un contrat, mais il faut que ça soit rentable, quoi. Là, j'ai vraiment pas.
vraiment pas trouvé la bonne solution de finir mon contrat et d'enclencher sur les vendanges directement cette année. On a eu trop de décalage et trop de frais. Donc voilà. J'espère que vous, tout va bien. Moi, c'est compliqué. Je vais essayer de rebondir. Je vais prendre quelques jours là pour souffler parce que là, j'en ai un peu à la casquette. Et puis voilà. On se tient au courant en tout cas. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Bon, ce qu'on redoute le plus commence à arriver. Il y a 20 secondes, il y avait des petits grêlons. Bon, alors du coup, c'est vraiment mouillé, mais il y a de la grêle au milieu de la pluie, quoi. Ça tombe, c'est hallucinant. Franchement, ça devient vraiment compliqué, là. Je peux même pas ouvrir la fenêtre. Voilà, là c'est ouvert. Et du coup, on n'a plus internet non plus. Donc c'est compliqué. J'espère que les copains qui sont là-bas, le fossé va pas déborder, qu'ils pourront sortir, etc. Parce que là, ils sont sous les arbres. C'est assez hard, quoi. Regardez là-bas. Vous avez le chéneau là. Ah, c'est le chéneau de la toiture. Ça dévale. C'est un truc de fou. Là, ça fait plus d'une heure que ça tombe. Regardez. On va espérer qu'il n'y ait que de la pluie. Que s'il se met encore à grêler, ça va être hyper compliqué, quoi. Une journée de merde. C'est un truc de fou comment ça tombe. Ah, c'est un véritable torrent, quoi. J'ai rarement vu des orages aussi violents. Ah, les cours d'eau vont se remplir, hein. Ça c'est tombé en 1h30 là. D'habitude il n'y a pas d'eau, c'est sec. Là ça dévale, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, ça a raviné là. Vous voyez, ça a ramené tous les graviers. Pourtant les gars ils ont bien bossé là. Et là vous voyez, ça n'a pas suffi, quoi. Il va falloir faire revenir le terrassier. Parce que là... c'est ouf, quoi. C'est un truc de dingue. Là, il y a une deuxième buse. Faudrait peut-être la dégager un peu là. Je vais la dégager. Coucou les copains. Après une journée de pluie diluvienne, la nature nous donne un autre visage. Avec un super coucher de soleil qui nous redonne un peu d'énergie, un peu de courage
pour cette saison qui s'avère difficile. Un début de saison très compliqué avec des intempéries et plein de petites catastrophes. Voilà, ce soir, je viens admirer ça avec beaucoup d'incompréhension envers la nature. Il est content. Il est content, le gros chien. Ah, le thym, il n'a pas grillé partout. Quel bonheur. Ça sent bon. C'est pur bonheur. Allez, continue notre petite balade dans la forêt. Il aime bien chien. Il en est bien à l'ombre là. T'as chaud hein? Et tu fais le con depuis tout à l'heure. Tu cours comme un zinzin là. Complètement zinzin le chien. Toujours en balade avec Chips. On est tombé sur un petit jardin éloigné, bien caché derrière les forêts. Donc sur le bas d'une vigne. Super sympa. Avec des fleurs, il y a des tomates, il y a des poivrons, des piments. Là-bas, j'ai vu des courges, des courgettes aussi. Là-bas, au fond, il y a des espèces de potirons, je sais pas quoi, comme là. Là, c'est pas des potirons, c'est des, ouais, c'est des courges encore, quoi. Beaucoup de courges. Des haricots verts, juste là. Et voilà, super sympa. Et là, c'est marrant parce qu'il y a un Renault Trafic à l'abandon, là. Donc, sûrement un moteur cassé ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, voilà, il a fini en cabanon de jardin. Donc il est bien caché dans la végétation, il n'était pas en vert, on ne le voit pas du tout. Il faut vraiment arriver dessus pour le voir quoi. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Bon, on n'a fait que passer, on n'a rien touché. On a pris quelques photos. Parce que j'aime bien voir un petit jardin comme ça, c'est super sympa. On ne vous dira pas où c'est, parce que bah voilà. On ne veut pas dévoiler le secret de ce petit jardin. Mais en tout cas, nous, on en profite bien. Et par contre, je vais voler un petit raisin. Parce que c'est du raisin blanc. Maman, qu'il est bon. Ça, c'est prêt à vendanger. Oh, il est bon. Quel délice. Bon allez, on y va avant de prendre un coup de fusil. Bah ben voilà, test radiateur de Robert confirmé, ça fonctionne, on a pris une putain de côte de 8 km, ça devait monter à je sais pas 10%, on est sur les hauteurs de l'Odève et on monte en direction de Millau, ça monte, mais voilà, du coup j'ai fait une petite pause quand même pour laisser respirer Robert, mais Robert va bien, les ventilateurs sont bien enclenchés. Et voilà. Ça roule tranquille. Alors les montées, franchement, on était à
30 km/h. Mais il est monté, mon Robert. Regardez-moi comme c'est beau. C'est magnifique. Franchement, c'est topissime. Avec les éoliennes qui tournent pas bien fort, hein. Y a pas beaucoup de vent. Allez, on va continuer notre route. On va en direction de Millau et je vais rejoindre mon ami Pascal. Il le sait pas du tout, c'est une surprise. Puisque du coup, j'ai quitté les vendanges. Parce que ça rapportait pas assez et du coup je suis en recherche d'un nouveau boulot. Donc du coup je vais monter jusqu'à approximativement Clermont-Ferrand, on va dire, et comme ça du coup je suis au milieu de la France et je peux dispatcher les recherches d'emploi plus facilement. Et voilà, donc je vais voir, j'ai déjà des contacts pour la Charente. J'ai des contacts pour la Savoie, j'ai des contacts au niveau de la Bretagne et tout. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas du tout, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'on trouve un autre boulot parce que les vendanges cette année, c'est pas rentable pour moi. Là, j'aurais eu encore 15 jours de vendanges, ce qui n'était pas assez pour moi. J'aurais pas gagné ma vie, j'aurais travaillé à perte comme je l'ai fait en fin de compte pendant 10 jours, puisqu'en 10 jours j'ai fait 2 jours de vendange, donc une fois 7 heures et une fois 8 heures. Voilà, c'est pas super rentable. Donc pas le choix, même si c'est des patrons avec qui je m'entends super bien, même si c'est une super ambiance, même si c'est des super spots, et ben il y a des moments, il n'y a pas le choix, il faut faire des concessions dans la vie. Et du coup, faut quitter les potes, il faut quitter des boulots sympas pour aller prendre des boulots un peu plus merdiques, puisque du coup, je vais partir sur des pommes là, parce que c'est ce qui va me donner un contrat le plus long. Donc, je vais partir sur des contrats qui vont de 1 mois à 3 mois, quoi. Donc, ça me permet vraiment d'avoir de quoi me retourner, de quoi bosser, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous embête pas plus, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bonne vidéo, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, salut, ciao, ciao, je reprends le petit Robert. Voilà, quand je vous disais que c'était un vrai test. Et ben voilà, nous sommes arrivés à la cavalerie en dessous de Millau. On a rejoint mon ami Pascal avec son camion La Baleine, Hercule La Baleine, Mercedes, 8 mètres de long. Je vous promets, c'est pas un camion, c'est un immeuble le truc. Donc pas mal de choses à faire dessus, quelques réparations, quelques petits réglages, mais vraiment chouette camion. Et ça confirme la chose, c'est ce que je cherche. 8 mètres, c'est exactement la bonne taille, exactement ce qu'il me faut, quoi. Et franchement, ouais, je suis vraiment sur le cul. J'ai conduit des 508, mais celui-là, il me plaît bien, quoi. Franchement, j'étais quelques minutes au volant, écoutez le ronron de ce moteur là, c'est un peu les mêmes sonorités que les 508, les 608, etc. Et ben franchement, magnifique, quoi. C'est, je me suis vraiment vraiment régalé. Donc voilà, là on se fait une petite balade avec Chips, hein, tranquille. Et après, on va se faire un petit apéro avec Pascal, apéro grillade. Du coup, je suis venu lui livrer son pinot, le pinot des Charentes que j'ai récupéré à Toulouse chez mon ancien patron, pour ceux qui ont suivi. Et ben voilà, c'était pour Pascal, mon ami belge et abonné de la chaîne. Donc en fait, on s'est rencontrés grâce à la chaîne il y a un peu plus d'un an maintenant.
Donc voilà, aujourd'hui, retrouvailles. Ça faisait depuis le mois de janvier qu'on s'était pas vu, on s'était quitté en Belgique. Et là, ça y est, on se retrouve pour quelques jours parce que moi je vais vite repartir au boulot. Donc on va essayer de régler quelques petits trucs sur son camion, essayer de lui mettre une pompe à eau, essayer de voir qu'il est un chauffe-eau, de voir que... Chips, viens par là, viens. Viens, on va par là, viens. Allez, ça y est, il arrive, gros. Qu'il a un chauffe-eau, on va y changer peut-être les clés, peut-être. Enfin, on va faire ça demain, là. On va changer les clés du Nieman de sa Samento de façon à ce qu'il puisse rouler et qu'il puisse bouger, là. Donc voilà, pas mal de petits trucs à faire, des petites réparations. Mais c'est cool, ça fait plaisir de retrouver les copains. Et des gens simples et surtout des vrais. Des gens vrais. Il y en a tellement marre de voir des faux culs. Ouais, je sais, je viens de dire encore un truc qui ne va pas plaire à YouTube, mais c'est pas grave. Les faux culs, on les laisse là où ils sont et on continue notre route tranquille. Vous voyez, mon chien-chien, il est loin d'être malheureux. Il fait sa petite vie, il court, il est content. Alors, pour ceux qui ont des leçons à me donner, allez-y! Allez-y! Pas de soucis, je vous attends. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Nous, on va essayer de trouver un chemin pour faire une balade. Mais là, on n'est pas dans le bon truc. Vous voyez, on se retrouve dans des trucs... c'est pas terrible. Mais on va essayer de trouver un truc un peu mieux. Allez, des bisous, ciao, ciao. Allez, petite opération du cœur de la baleine Hercule qui avait une durite de frein fatiguée. Et vu que je pourrais monter un garage associatif nomade, eh ben, on a un bout de durite, on va pouvoir changer le bout de durite. Hein. Comme ça, il sera tranquille. Je lui remets deux colliers neufs, je vais couper la longueur qu'il me faut. Après, on ira voir sa pompe à eau. Là, on a le tuyau de gaz pour pouvoir lui faire son arrivée de gaz pour son frigo. Des fusibles, des machins, enfin voilà. Bordel, mais... Je vais déjà faire ça. La baleine Hercule, vous l'avez peut-être pas vue, elle est là, la baleine Hercule. Vous voyez ? La grosse baleine de 8 mètres. Ah, il a le capot ouvert. Je vais m'occuper un peu de lui. J'ai quelques jours, là, le temps que je trouve du boulot. Du coup, on va faire ça. Donc là, je vais prendre ma boîte à cliquer. Voilà, encore une petite soirée qui, pour l'instant, se termine pas trop mal. On a trouvé du boulot, on repart sur la route demain. Viens là, Chips, s'il te plaît. On a réussi à réparer plein de trucs sur le camion Pascal, dont le frigo, le chauffe-eau, la moto, le flexible de frein. Et du coup, on sait qu'il y a la pompe à eau qui a changé parce que du coup, on l'a démonté et il y a des pièces qui sont cassées dedans. Donc c'est pour ça qu'elle chauffait et qu'en fait elle fonctionnait pas. Donc il a commandé une pompe à eau, je lui ai retrouvé le sens de câblage, donc il aura plus qu'à débrancher deux fils et les rebrancher sur sa nouvelle pompe. Donc là dessus il est tranquille et voilà. Et moi je suis super content parce que du coup j'ai tenu ma parole, j'avais dit à Pascal promis, dès que t'as ton camion, dès qu'on peut se voir, je te file la main, on remet tout ça en route, etc. Ben voilà, je tiens ma parole. Même si du coup il faut que je parte plus tôt que prévu parce que j'avais prévu de passer quelques jours avec lui. Bon ben voilà, on s'est vu la journée d'hier, on a bricolé, on s'est vu aujourd'hui, on a bricolé. Et puis ben voilà, hier on a cassé une croûte hier soir. Ce soir, et ben du coup on va se faire des côtelettes d'agneau et tranches de gigot avec petite salade, petit pinot, petite bière, voilà. À la cool. Bon voilà, super super sympa, super journée. En plus, j'ai appris des choses en pseudo-mécanique. Parce que moi, la moto, j'y connais pas grand-chose. Et du coup, on a quand même réussi à redémarrer la moto à Pascal.
Et en fait, j'ai appris qu'il y avait des contacteurs, c'est des coupes-circuits d'arrivée d'essence sur la béquille, en fait. Donc il y a une électrovanne, quoi. Donc voilà, j'ai appris ça, on a cherché un petit moment, ça démarrait pas, et puis du coup, paf, j'ai pris la béquille avec un peu de discussion avec Pascal, et puis du coup, il m'a dit « Ah, ben ouais, mais le gars, je crois qu'il me l'avait dit !» Donc voilà, on a réussi à la démarrer, bon, elle tient pas le ralenti, on a changé le Niemann, parce qu'il avait cassé la clé dedans, et ben voilà, c'est bon quoi, je pense qu'on a fait pas mal de choses, et je pense que là, Pascal, il va se sentir un petit peu plus léger. Pour les prochaines semaines, ou est-ce que je serai pas disponible pour l'aider puisque on rattaque un gros contrat avec des pommes. Mais voilà, j'ai tenu ma parole et c'est ça le plus important quoi. Je suis venu, j'ai pris du temps pour venir, pour faire ça. Et ça, j'en suis super content, j'en suis ravi quoi, parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ben voilà, faut tenir sa parole quoi. Donc voilà, ça m'aurait vraiment fait chier de devoir partir en saison ou de passer à côté de Pascal sans m'arrêter. Mais non, c'est bon, c'est fait. Et dès que je peux, je reviendrai et je finirai plein de choses qu'on a dit ensemble. Je lui installerai ses panneaux solaires et au moins il sera autonome d'ici cet hiver et il aura l'autonomie, quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Des bisous. Nous, c'est l'heure de l'apéro. On rentre, on va boire l'apéro et puis on va se manger un morceau. Allez, ciao, ciao. Bam. Demain, on reprend la route. J'ai réussi à redémarrer la moto de Pascal. Enfin, on a réussi. Mais on est vraiment des brêles, quoi. Pendant une heure, on a kické et tout. On cherchait. Et je dis à Pascal, ouais, il n'y a pas un contacteur anti-vol ou machin. Non. Et ben, en fait, bon, on a dit, bon, laisse tomber, je l'emmènerai au garage, machin, il regardera. Puis au moment de tout ranger, je regarde Pascal et je lui dis, il y a un contacteur, Pascal. Il me dit, où? Je lui dis, là, sur la béquille. Bah c'est bizarre, mais on a plié la béquille et puis ça a démarré tout de suite. Ah, je veux dire. Bon, on n'a pas réussi à faire le réglage exact. Ce qui fait qu'elle tient pas le ralenti, donc il l'emmènera quand même pour faire le réglage. Parce que je connais pas exactement le réglage et c'est super pointilleux. Mais on a réussi à lui changer son Niemann. On a réussi à changer sa clé. On a réussi à la démarrer. Et j'ai réussi à faire 3 tours de parking avec... Bon, même si elle peine un petit peu, faut bien accélérer, machin. Mais bon, j'ai réussi à faire 3 tours de parking, donc voilà. Je suis diplômé moto. Non, je suis loin d'être diplômé moto, j'y connais rien en moto. Mais on a réussi. Comme quoi, quand on veut, une fois de plus, on peut. Voilà, sur ce, nous, avec Monsieur Sipson, on va aller faire une balade. Parce que vous voyez, c'est l'heure. C'est l'heure du coucher de soleil. Ça veut dire que du coup, c'est aussi l'heure de l'apéro et du petit pinot. Voilà, donc on va sortir un petit peu le chien. Pascal, il finit de ranger ses affaires. Et après, on se fait un petit apéro. Pinot de Charente. Et on passe une bonne nuit. Et demain, on reprend la route en direction de la Charente. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne baissez pas les bras. Oh, il le suit sa tête. Oh bah lui. Mais c'est délicat, man. C'est délicieux, man. Et donne-moi-en encore, mon copain, donne-moi-en. Ça, c'est pour voir l'os qu'il est là. Bon, après, si c'est du cartilage, je peux y donner. C'est beau, ouais. C'est vraiment les os, je peux pas y donner, après, il est malade. Oh, c'est délicieux, ça. Merci. Mais je vais lui croquer. Il a aussi de la force dans la mâchoire. Hein. Oh oui! Il sait pas s'en servir, mais il a de la force. Ouais, tu vois. C'est une cacahuète, hein, une petite cacahuète. Juste ce qu'il faut. C'est bon, hein, mon dodo, oh. Le gigot d'agneau. Ou la côtelette. Ouais, c'est le gigot, celui-là. C'est le gigot, ouais. Je voilà. Chique un peu dessus, mais c'est tellement... C'est plein de saveurs. Hein. C'est délicieux. Oui, mais tu vois, lui... Il déguste, quand même. Oh, hein, bon, là, bon. Ah, si, fait...
Bah lui, non, il croque, lui. Hein. Te dis, lui, tu lui donnes un gros bout de bœuf, il te le pose par terre. Il coupe le moi, tu lui donnes une saucisse, il sait pas la manger. Hein. Allez. Puis il te la pose par terre, il te dit, coupe la moi, je sais pas la manger. Il croque dedans, tu sais. Il dit, c'est mou, je sais pas quoi faire. C'est un chien qui est délicat. Bon, du coup, Eddie, tu nous excuseras, hein, mais... Sac hamburger. Le burger, chips, il a dit, j'en veux pas. Il préfère les os, côtelettes d'agneau et gigots d'agneau. Ah, donc, du coup, ce soir, c'était côtelettes, gigots, petite salade. Non, c'est ça, oui. Voilà, puis un petit coup de fromage. D'agneau. Impeccable, tranquille, avec, avec Pascal, toujours. Hein. Pascal et la baleine. Qui habitait 3 litres de pinot. Bon non, on a bu quoi? T'as bu quoi? T'as bu une bouteille quand même. Bah tu rigoles, t'es loin d'avoir bu une bouteille. Ou les bouillées, non, non, les... Non. J'en bois cachette. Ça va, t'en as 10 litres, t'as de quoi faire. Hein? Non, il n'y en a plus maintenant. C'est bon. Tiens, joue avec le burger. Quoi? Le burger. Oh, il dit non, je m'en fous de ton bout de plastique. Donne-moi à manger. Non. Non, il veut pas. Allez, on continue la route. On arrive à Millau. On part en direction de Figeac. Après, on va sur Brive-la-Gaillarde et on continue à monter. Donc voilà, aujourd'hui il fait beau. Millau, c'est bien dégagé. C'est super beau. On voit bien le viaduc. Donc voilà, tranquille. Et voilà. C'est là qu'on se pose pour ce soir. À côté de Figeac, quelques kilomètres de Figeac, on trouve une petite aire camping-car. C'est impeccable. Alors c'est un camping-car park, mais du coup on est juste au bord de l'eau. Il y a des arbres partout. Du coup moi je suis de l'autre côté là-bas. C'est genre un petit camping quoi. Bon c'est 13 balles quand même, mais ça a le mérite d'être propre, ça a le mérite d'avoir des douches, et ça a le mérite d'être sympa. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon je voulais m'arrêter à Figeac au début. Mais Figeac, c'est en plein centre-ville, il n'y a rien pour se promener, il n'y a rien. Donc voilà. C'est ce soir, on va dormir là, tranquille, au bord de l'eau. Ça va le faire. Et là je fais la balade avec Chips, et après je vais me prendre une douche. Tranquillou. Voilà. Ça c'est une aire camping-car. Ça j'appelle ça une aire camping-car. Il y a de l'ombre, il y a des beaux emplacements. Le tarif il est raisonnable par rapport à ailleurs parce que voilà. Et c'est pas mal. Ça donne des idées. Non non non. Petit coin barbecue, emplacement camping réservé. Ah, il y a même un emplacement pour les cyclistes et les toiles de tente et les gens qui sont à pied. C'est cool, sympa. C'est propre. Et oui. On me le dit souvent, t'arrêtes jamais. Je viens à peine d'arriver à Figeac. J'ai fait un tour avec le chien. J'ai pas pris la douche que je voulais prendre, mais je vais rattraper le retard que j'ai dans les vidéos. Et j'espère publier une vidéo ce soir. Donc voilà, allez, on se met au boulot.